C'est une opération de sécurité exceptionnelle qui est organisée à Brasilia ce 1er janvier pour l'investiture du nouveau président Jair Bolsonaro. 3200 militaires et policiers sont mobilisés. Des snipers se préparent, des hélicoptères patrouillent la zone. Un système antimissile a même été installé. Un dispositif sans précédent dans la capitale. La sécurité, une préoccupation majeure pour Jair Bolsonaro et ses partisans. En septembre, il avait été poignardé en plein rassemblement de campagne. Cette femme explique : nous savons que le risque existe car nous assistons à la fin du système pénal qui existe depuis de nombreuses années. Nous espérons que tout se passera bien et que notre président ne sera pas en danger. Cet ancien capitaine de l'armée jouit d'une popularité extraordinaire. Pour 3 Brésiliens sur 4, les mesures populistes qu'il défend vont dans la bonne direction. Pour assister à la cérémonie, jusqu'à 500 000 personnes ont fait le déplacement à Brasilia. 12 chefs d'État seront aussi présents. Parmi eux, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le Premier ministre hongrois Viktor Orban.